connaît près de 3 mois une épidémie de chikungunya avec au total près de 573 cas enregistrés, soit à l'arrondissement numéro 1, 95 cas, à l'arrondissement numéro 2, 85 cas, à l'arrondissement numéro 3, 68 cas, à l'arrondissement numéro 4, 134 cas, à l'arrondissement 5, 85 cas, à l'arrondissement 6, 61 cas, et dans le district de Tchamanzassi, 45 cas. Les statistiques présentées représentent le point de la semaine dernière à notre réunion de cellules de crise. Au regard de l'ampleur que prend cette épidémie, la cellule de crise a jugé utile d'élargir la campagne de sensibilisation en direction des chefs de quartier, car il s'agit là de nos acteurs les plus concernés dans la localisation et l'identification des foyers. Tous ceux qui ont décidé de nous accompagner, c'est l'occasion d'interpeller les chefs de quartier pour que, à leur tour, ils prennent le relais. Parce que rien ne peut se faire dans les quartiers sans vous. Devant cette ampleur, parce que les cas enregistrés, les cas identifiés sont bel et bien dans les blocs, dans les zones, dans les quartiers. Et par la même occasion, monsieur le secrétaire particulier du préfet demande les listes de présence qu'il avait circulées dans la salle.